12 mai 2013 sur le Wezel-Équerre, eh bien, il n'y a toujours aucune sécurisation. On peut tout à fait pénétrer sur le site, vu que celui-ci est utilisé pour une partie pour la vente de bois en stère qu'on voit ici. Donc au-dessous de nous, le dépotoir géant sur 10 mètres de profondeur. Donc ben non, rien n'a changé, hein. C'est exactement pareil. Donc on voit bien que tout le monde peut pénétrer directement sur ce méga dépotoir. Donc si la situation est comme ça depuis une trentaine d'années, on n'est pas un jour près, on n'est pas un mois près, on n'est pas une année près. Et eh bien on laisse pourrir cette situation dans le sol, au niveau de la nappe phréatique et également dans l'air que l'on respire ici. Dégagement de méthane et autres gaz chargés en substances chimiques et autres, sans compter bien sûr les déchets hospitaliers, 10 ans de déchets hospitaliers qui sont entreposés ou plutôt abandonnés là, sous mes pieds. Voilà, tout cela dans une commune citoyenne, bien sûr, et très écologique, très portée sur l'écologie et l'application sur le terrain.